Eh bien bonjour à tous, c'est Darklink et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle partie sur Céleste. Nous allons, comme précédemment, tenter de récupérer la fraise dorée dans le chapitre 2, c'est-à-dire tout traverser sans mourir une seule fois. Ça va pas être une masse à faire, mais encore, le chapitre 2 est relativement facile. Un peu plus dur que le premier évidemment, mais relativement facile, pas trop long et tout. D'ailleurs je me suis un petit peu entraîné avant, histoire de pas trop galérer sur cette vidéo. Je vais vous montrer vite fait. Donc voilà. Évidemment, sur la cité abandonnée qui est le chapitre 1, j'ai fait 0 mort. Voilà. Et durant l'entraînement, sur le site ancien, j'ai fait que 2 morts. Ce qui est pas mal. Et je me suis également entraîné sur le chapitre 3, la station Céleste. Et vous voyez que vu qu'il est plus long et plus dur, bah, j'ai quand même fait 30 morts. Hein, ce qui fait une différence entre le chapitre 2 et 3. Voilà, et puis le reste, j'ai pas encore fait d'entraînement ni rien. Là, comme vous pouvez le voir, je voulais montrer parce que précédemment je voulais pas montrer. J'ai fait le complètement fini en récupérant toutes les fraises, la cassette face B, le cœur bleu et tout. Et vous voyez que là, j'ai un drapeau doré avec une étoile pour bien montrer que j'ai fait le complètement fini. Donc voilà, on voit le nombre de temps que j'ai mis aussi sur les complètement fini, sur les 3 premiers chapitres. Bon voilà, ça j'avais oublié de le montrer hein, précédemment. Allez, maintenant on va faire retour et on va tenter la fraise dorée du chapitre 2. Allez, c'est parti! Donc là, vous voyez que l'écriture réagit très bizarrement. Ça veut dire qu'on est dans un rêve, lucide ou pas, je n'en sais rien, mais. En tout cas, on va essayer, hein. Faut surtout pas stresser. Ah, c'est sûr que ça met la pression, mais le tout c'est d'essayer de contrôler ses émotions. Ce qui n'est pas une masse à faire. Après, si je meurs trop de fois, forcément, bah, je ferai des coupures. Hein, pas que ce soit trop long et chiant pour vous. Oula. Ouais, voilà. Ça. Bon, vu que j'ai laissé les cinématiques précédemment, bah... il y en a certaines, je vais les passer. Celui-là, il est pas trop long encore, donc je laisse. La première fois qu'on voit son côté obscur. Allez. Essayez de pas mourir, hein. Là, ensuite par là. Je me concentre, là je parle pas beaucoup, je me concentre et en même temps on apprécie la musique. Aïe, raté. Ah zut! Voilà, j'essaie de faire le saut en même temps de sortir de cette espèce de truc de rêve. La technique qu'on apprend dans la phase B du chapitre 2. Oh là là. Voilà, attention. Ah, Madeline. Parce que son vrai nom c'est Madeline. Moi je me suis appelé Olivia parce que. Mon vrai nom, je peux le dire, c'est Olivier. Mais vu que je dirige une fille, je me suis dit Olivia, c'est pas mal. Ah, cette musique j'adore aussi. Le problème c'est que si je passe la cinématique, on passe à la suivante. Et bon, je l'avais déjà laissé précédemment, donc. Et oui, c'est mon côté obscur. Allez, on y va. Je commence déjà à paniquer. C'est pas bon. Oh! Oh! Oh my god. Voilà. Ça
mais la pression, ça ne peut pas mourir une seule fois. Après, je persisterai pas si j'arrive vraiment pas, c'est dommage. Parce que mon record, c'est 2 morts quand même, donc c'est clair que je suis capable de le faire. Merde! Putain! Con! Même mon ami Mika me l'a dit, parce que je lui ai montré un peu mes records et tout. Il m'avait joué. Même lui, il m'encourage, il me dit que je suis capable. Mais bon, si j'arrive vraiment pas, soit j'insiste. D'accord, ouais, non, mais là c'est n'importe nawak. Soit j'insiste, mais je fais les coupures, évidemment, pour que ce soit trop long et chiant pour vous. Soit bah, je laisse tomber et on tente la face C de ce chapitre. Oula, doucement quand même. Reste concentré. Allez, on passe. Waouh, doucement. Oulala. Ah, mais si je fais n'importe quoi, moi aussi. Aïe aïe. Allez, c'est parti. N'allons pas trop vite non plus. Là, je fais gaffe au mouvement de mon côté obscur. Pas que je rentre dedans. Putain, mais. Mais qu'est-ce que j'ai foutu? Je fais l'handicapé là! Putain, mais. Faut vraiment faire gaffe au mouvement de son côté obscur, hein. Pas lui rentrer dedans. Grossière erreur que j'avais fait même dans la précédente vidéo. Alors que j'étais pas mal avancé, c'était dommage. Oh non, mais là même si je fais des trucs comme ça. Pas vouloir aller trop vite non plus parce que sinon on fait n'importe quoi. C'est reparti. Oh là là, attention, mire quand même. Waouh. On se concentre.
Voilà, c'était là, j'étais mort. Voilà, c'est bon. Là, c'est le plus dur. Faut pas stresser. Tout va bien se passer. Oh là là. Là aussi c'est pas simple. Putain mais non, mais pourquoi j'ai foncé droit dans le mur? Quel con! Merde, j'y étais. C'est parce que ça me fait un peu d'entraînement aussi pour la face C. Le fait de ne pas mourir comme ça. Aïe 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 aïe. Putain, je suis dégoûté, j'étais à la fin. Aïe aïe aïe. On va y arriver à force. Je connais les patterns par cœur. Non, les patterns, s'il vous plaît. Bon, c'est peut-être pas la meilleure technique ce que je suis en train de faire, mais bon. Oh là là. Un petit peu là, c'est pas bon. Voilà. Passage le plus dur. Là, je voulais faire un diagonale. Je voulais faire un diagonale vers le bas. Elle a fait vers le haut. Putain, mais...
Oh là là, je lui ai fait un diagonal. Oh là là. Fais pas des trucs comme ça, s'il te plaît. Ouais, bravo. Franchement, bravo. C'est bon, on a passé le plus difficile. Ah, faisons pas n'importe quoi. Hein. Parce que même ici, je peux mourir. Faisons pas n'importe quoi. Parce que durant l'entraînement, quand j'ai voulu aller trop vite ici, j'étais mort bêtement en fonçant dans un mur. Après avoir traversé un truc comme ça. Cette fois-ci, je reste prudent. Hein. Je ne vais pas trop vite. C'est pas grave pour le record de vitesse. Et voilà, au moins j'ai la fraise. Et le record de mort qui est de 0. Bon, je préfère finir ça complètement. Hein. Là, on a juste fini à la phase rêve. Là, elle s'est réveillée. Mais je préfère quand même aller jusqu'au bout. Là, on a notre ami Théo. Mais bon, on lui a déjà parlé durant la trame principale de l'aventure. Mais toute première vidéo qui remonte à il y a plus d'un an déjà, mine de rien. Commencé en avril 2020, je crois, ma première partie. Ah, voilà, je suis bien content d'avoir réussi. Par contre, le chapitre 3, c'est même pas la peine. Là, on va essayer juste un coup, voilà. Comme j'ai fait la précédente partie où j'ai fait le chapitre 1 avec la fraise dorée, j'ai tenté le chapitre 2. Bah là, on va tenter le chapitre 2. Le chapitre 3 à la fraise dorée. Donc vous voyez que l'interface est devenue dorée également. Voilà, alors que d'habitude c'est blanc. Blanc comme neige, hein, comme ça. Et quand on récupère la fraise, ça devient doré. Voilà. C'est parti. On va tenter juste d'aller le plus loin possible. Là, vraiment... Bon, j'avais dit j'y croyais pas pour le chapitre 2, mais là, le chapitre 3... j'y crois pas... Mais pas un seul millième de seconde. J'essaie juste d'aller plus loin possible. Comme ça, c'est marrant. Et pour la prochaine partie, par contre, je tenterai pas de réussir vraiment à aller jusqu'au bout. Là... Tout comme Mika Nandorf, là... Je trouve également que c'est trop long et trop dur. Là, c'est pas possible hein, pour essayer d'anticiper le pattern des mauvais esprits de Shiro, c'est-à-dire les sortes de fantômes rouges. Quelle belle apparition! Là, il m'a ouvert le passage, il m'a vu dans son hôtel. Voilà, ça, c'est les idées noires de Shiro. Voilà. Voilà, pour éviter tout ça, vous voyez. Prendre le chemin. Oh là, pff, ouais. Bon, là, j'ai pas fait très attention, j'avoue. Bon, je retente une dernière fois et après, on tente à... Après, on fait la phase B du chapitre 2. Là, je suis mort bêtement parce que j'ai pas fait très attention.
Ouais, je suis même pas arrivé à la moitié, quoi. Merci, quelle efficacité, monsieur Oshiro. Rien que ça, ça paraît facile comme ça, mais quand on a l'impression de ne pas mourir une seule fois. On en tremblerait presque même. Ah, c'est bien, moi la plateforme remonte assez vite. Oh là là, pff, oh non, mais non, laisse tomber. Voilà. Dernier essai, troisième et dernier essai. Chapitre 3, 3 essais, allez. Là, je suis mort, mais vraiment connement, encore pire que la première fois, quoi. Où je manquais de concentration, là... Je sais pas ce qu'elle m'a fait, là, Madeline. Un one jump, alors que j'ai pas envie. Alors que quand je veux qu'elle fasse un one jump, là, elle ne le fait pas. C'est pas simple. Waouh. Putain, rien que là, j'ai le stress. J'aimerais au moins aller un peu plus loin que là où je suis mort bêtement. Quoi qui m'a bloqué? Oh putain, ça y est, je vois même plus le linge, je regarde au-delà, mais c'est pas bon ça. Voilà! Au lieu de faire des rebonds bizarres là. Bon, lui, j'avais pas fait gaffe à lui. Ouais, voilà. Bon, allez, c'est tombé, c'est nul. C'est nul! Ah là là, je suis trop nul, franchement. Ah, presque 777, dommage. Mais bon, tant pis. Allez, on tente la phase C du chapitre 2. Et la fraise dorée, c'est pas que la trame principale du chapitre, hein. C'est également la phase B et la phase C, la fraise dorée. Mais bon, je préfère faire le truc normal, hein. Ah mais non, 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 je fais n'importe quoi. Mais je maintiens le bouton accroché pourtant. Ah, peut-être qu'il faut appuyer sur la direction. Ok. Ouais, trop bas. Aïe aïe aïe. Trop bas. Oh là là. Alors, pour avoir celui du bas. Je sais pas trop comment on fait là. Pourtant j'avais vu des vidéos mais j'ai oublié. J'ai juste oublié. Peut-être faut le prendre en dernier. Ah mais non. Ah je peux plus me poser. Bravo, bravo Levo. Ah! Je tenais la technique là. Voilà, sans faire le dash. Ah non, le truc il monte vers le haut, il va pas vers moi pour que je m'accroche. Comment tu chopes ça sans mourir? Ok. Je crois que j'ai compris. J'adore ce thème de la phase B et C. J'ai fait n'importe quoi là, mais bon, c'est pas grave. Là aussi, c'est n'importe quoi. Ah, dommage! Dommage! Je
a raté. Ah, vas-y, il n'a même pas laissé le temps de... Encore raté. Putain, j'ai même pas le temps. Mais putain, il m'a foncé droit dedans. Bon, là, je fais n'importe quoi. C'est sûr que ça n'aide pas. Par contre, pour le chapitre 3, la phase B, enfin la phase C plutôt, du chapitre 3, je pense pas le faire. Attends, je vais m'entraîner. Hein. Merde, c'est le dash, c'est pas le saut, c'est vrai. Attends, je vais m'entraîner. Bon, allez, tant pis, je ramasse les... Oh bah ben là mais... J'ai juste voulu sauter mais bon c'est pas grave. Voilà c'est costaud rien que là. Oh là là mais comment tu fais pour choper le... vraiment de faire en millimètres pour choper le bouton mais ah j'avais réussi mon truc mais j'ai pas réussi à m'accrocher. Oh là là, alors ça pour la fraise dorée franchement faut de l'entraînement mais un truc de fou furieux. D'ailleurs, Mikanandorf a réussi à passer à la phase C du chapitre 1 avec la fraise dorée. Franchement, je l'en félicite. Ah, ça y est, j'ai réussi. Très bien. Oh là, pourquoi il a avancé bizarrement comme ça? Ah, oui, ça, c'est le dernier tableau. Non, je crois que j'aurais dû sauter. Hein. Raté. Encore raté. Non, c'est pas tout à fait ça. Raté. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh, waouh. Mais pourtant j'étais sur le côté. Ah, j'aurais pu aller directement. Dommage. Oh, ça parce que j'ai touché un centimètre, même un millimètre du pic. Quand là, c'est pas mal, franchement, c'est pas insurmontable non plus, ça va. Aïe aïe aïe, il faut vraiment que je sois au bord, mais en même temps. Ouais, mais là, je suis. Bah, j'aurais pu passer en fait. Ah, ça y est, je suis déconcentré là, j'ai mon cerveau il est un peu bugué. C'est pas simple. Ah, j'aurais dû faire de plus haut, un petit peu plus haut. Ah non, j'étais trop bas là. Oh là là. Oh là là. Oh là, attends, je suis perturbé. Je suis perturbé. Faut que je réfléchisse à comment faire là. Ah ouais, je peux pas passer de l'autre côté. Je suis trop bas. Et en même temps, les pics sont trop serrés. Donc là.
Waouh, mais comment tu fais en fait? Ben voilà, mais attends, j'attire direct au milieu, comment tu fais? Ah, ça paraît difficile, mais finalement, ça va. Sauf que j'arrive juste pas à passer le truc, mais... Sinon, on a vite les réflexes, voilà. Je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Eh oui, je sais pas parler. Je comprends que plus personne regarde mes vidéos, mais bon. Voilà, hein, comme d'habitude. Je continue quand même parce que c'est la passion qui parle. C'est tout. Et au moins, mes Ganondorf regardent. Même quand je me partage sur Facebook, tout le monde s'en fout. C'est mieux parce que c'est moi, ça. J'ai oublié de sauter. Ah oui, je suis trop bas. Putain, mais comment tu fais, en fait, hein? Attends, attends. Ah, je suis en train de réfléchir à l'autre truc en même temps, là. Ah oui, je suis vraiment obligé sur le côté quoi, je peux pas le faire par en dessous ni rien. Voilà, c'est à ça que je réfléchissais là. Mais. Ça paraît dur, mais en fait c'est cool. Franchement là, ça passe tout seul. Avec juste une minute d'entraînement, c'est bon. Voilà, évidemment, elle a pas répondu comme il fallait. Là non plus. Hein, ça y est. Elle commence à faire la coconne. Voilà. Ça se confirme. Là, comment tu fais? Waouh! En fait, c'est chaud ici. Putain, j'arrive pas, quoi, hein. Tout le monde y arrive sauf moi. Truc de dingue. C'est trop comique. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Putain, je lui demande avec la... Vous avez compris. Non, de plus bas, c'est pas possible. C'est de plus haut que j'aurai le temps de revenir et tout, mais j'ai pas beaucoup de temps. Hein. Putain. Ah, en plus faut le faire direct. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Putain. Aïe 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 aïe. Ah putain, j'oublie le réflexe de le faire direct. Attends, je suis tellement concentré déjà sur ce truc que je dois passer au millimètre près. Et ça me pique au cou, c'est pas bon ça, c'est pas le moment. C'est chiant même. Bravo. Oh là 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 là, mais...
Putain, mais ce passage! Là, j'y arrive vraiment pas, là, hein, par contre. Autant, là, c'est cool et tout. Il suffit de mémoriser. D'appuyer au bon moment et tout, mais... Mais l'autre, putain, c'est vraiment au millimètre près. Je trouve ça moyen, les passages au millimètre près, par contre. Et en plus, faut réagir au quart de tour, quoi. Réagir très très vite. Putain. Ça continue, je vais abandonner. De toute façon, je compte pas faire le face C du chapitre 3. Ça. Comme je l'ai dit. Putain, j'arrive pas à passer entre les deux. Vas-y, mais putain, mais... Oh là là! Bon, on va regarder comme ça en même temps, je vous montre. Ou pas, parce qu'il y a personne qui regarde mes vidéos. Au moins, je montre à Mika. Ah, une fois que j'ai passé ça, ce n'est pas terminé. Là, je m'en souviens. Il faut que je fasse... le saut comme ça... descendre, que je fasse plusieurs dashs, que je fasse ça et que je me tienne au mur. Ensuite, je fais le dash et le saut trois fois jusqu'à ce que j'arrive à l'ascenseur et après je fais le dash jusqu'ici au cœur. Voilà. C'est pas mal. Déjà que j'arrive à passer ce passage de fou furieux, de l'angoisse, hein, que je n'y arrive pas. Voilà, fait n'importe quoi, comme d'hab. Oh là 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 là, mais... Ah! Putain, mais faut appuyer direct, mais. Ah, mais j'ai appuyé pourtant direct! Waouh! On va avoir des réflexes de Jedi, moi je vous le dis. Ah, je ne suis pas bien avancé. Putain, mais pourquoi elle me fait un travers? Là, évidemment. Photo. Trop reculé. Putain, mais... Ah ! Waouh ! Eh ben, dis donc. C'est un miracle ne soit pas éclaté contre le mur. C'est assez permissif quand même, ça c'est cool. Ah, presque. Là c'est nul, hein. Vous aurez compris. C'est nul. Mais putain, mais pourquoi je suis mort direct? Mais putain, j'ai appuyé pour faire le dash, j'ai même pas le temps, quoi.
bientôt, évidemment. Wow, 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 wow! N'importe quoi. Putain, ça y est. Faut pas se relâcher. Wow. Mais sérieusement. Oh, aïe, aïe. Oh, mais cette diagonale! Merde. Je me concentre. J'ai toujours l'habitude en fait de maintenir le bouton accroché. C'est ça qui me perturbe. J'ai tellement trop l'habitude maintenant. Ah ouais, attends. C'est bon, maintenant j'y arrive de mieux en mieux. Ah, je comprends mieux pourquoi je maintiens le bouton accroché. Pour pouvoir m'accrocher de l'autre côté quand j'aurai enfin réussi à passer ce truc avec les gros pics. Pas assez haut. Mais j'essaie de me reculer un chouïa pour justement... Voilà quoi. Vous avez compris. Ah, il faut rappuyer de suite hein. Il faut rappuyer de suite. Faut pas qu'elle avance vers les pics. Aïe aïe aïe. Ah, si maintenant ça me pique au sourcil, ça va pas le faire. C'était bien, franchement c'était bien, on progresse petit à petit, mais c'est pas tout à fait ça. Non, parce qu'elle est allée de... Évidemment elle est allée du mauvais côté. Pas demander un diagonal, j'ai demandé d'aller tout droit. Putain, manette qui déconne. Et putain, mais j'ai appuyé pourtant sur le dash. Thank you.
Oh, c'est horrible. J'arrive même pas à passer ce passage. Je progresse petit à petit, mais bon, c'est pas encore ça, hein. Ah, j'ai bien progressé, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, là. Ouais, évidemment. Putain, j'ai appuyé vers le haut. Ah, attendez. Ah non. Oh là là. Bravo! Bravo le veau! Non, trop tôt. Je voudrais refaire le truc normal parce que là, bon. Comme ça, c'est beaucoup mieux, franchement. Ouais, beaucoup mieux. Oh. À 100%. J'ai fait n'importe nawak. Putain, mais pourquoi elle est partie en diagonale au lieu d'aller tout droit en haut? Mais... mais pourquoi elle a sauté trop? Mais c'est pas possible, c'est prévu pour que ça passe normalement. Frustration à 100%. Waouh. Mais accroche-toi. Ah, j'aurais dû le faire de suite. Putain, mais vas-y, d'où j'étais trop près. Je suis le roi des minables. Enfin!
J'ai réussi! Oh my god, j'ai réussi. C'est beau. Voilà, au moins, même si personne regarde, j'ai ma satisfaction personnelle. Voilà. En vous remerciant. Attention, c'est impressionnant, c'est impressionnant. Ah, moins de 400 morts, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, bah, très bien. J'espère que cette partie vous aura plu. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, portez-vous bien.